Oui, bonjour. Bonjour. Vous entendez qu'on est nombreux, hein, là, sur fréquence 7, là, maintenant, solidaire d'abord, ça fait corps, ça fait bien. Alors aujourd'hui, fin de vie, d'après Macron, là, il est en train de plancher sur la fin de vie, peut-être c'est la fin de vie politique de Macron, hein. On peut rêver, hein. Bon, voilà. Alors on va avoir quatre sujets. On va parler du prix des carburants qui ne baisse pas à la pompe. Vous avez remarqué, bien que le prix du Brent baisse. Enfin bon, cherchez l'erreur. De fond, Marlène Schiappa est en train de se perdre, de se fourvoyer dans je ne sais pas quoi. Bon, on va parler des méga bassines évidemment. Et puis on va parler de la violence parce que bon, ça vous a pas échappé, je suppose, que la violence commence à devenir presque institutionnelle à tous les niveaux, voilà. Donc il y a une grosse interrogation sur ça. Alors d'abord le prix du baril. Alors je sais pas, on discutait, on glosait pour préparer l'émission. C'est vrai que c'est quand même très très surprenant. En juin 2022, le prix du baril était à 122 $. En février 2023, il est à 83 $ et le prix de l'essence à la pompe a quasiment pas bougé. Cherchez l'erreur. Bon, Total a expliqué que de toute façon, maintenant, il ferait un effort si jamais le prix de l'essence dépassait les 2 €. Donc, ils ont institutionnalisé le fait que le prix de l'essence est à 2 €. Et voilà, peu importe la fluctuation du marché. Alors, sur le marché, par contre, il y a plein de gens qui font plein d'affaires, hein. Et Alain, tu nous expliqueras qu'il y a un grand groupe français qui fait aussi ça. Mais voilà, en ce moment, sur fond de problèmes avec la Russie, puisqu'il y a la crise ukraino-russe, il y a évidemment en même temps ce qui se passe pour les banques américaines, puisqu'il y a apparemment un gros problème, hein, et puis même ça va jusqu'en Suisse, donc ça attaque aussi l'Europe. Il y a la reprise économique en Chine, il y a tout ça, et pendant ce temps-là, il y a les spéculateurs qui sont toujours là. Et puis il y a des groupes. Alors Alain ? Eh bien oui, comme Total. En fait, alors on a parlé de Total. Et je disais aujourd'hui, si vous suivez la bourse aujourd'hui, Total est au palmarès. Hein, et il a progressé dans la journée, je crois, de 5,50 ou 5,60. Enfin bon, j'ai pas vraiment relevé tous les chiffres, mais en tous les cas, il est au palmarès. C'est une très forte hausse de Total. Oui. Ouais. Oui. Et l'année dernière, s'il faut le rappeler, l'année 2022 a été extraordinaire. D'ailleurs, je crois que son... Pour Total. Pour Total, oui. Ouais. Pour Total. Je crois que son PDG, monsieur Pouyanet, s'est augmenté de, j'ose pas le dire, je crois que c'est 50%, c'est énorme, quoi. Enfin, le mec, il gagne, de toute façon, 500 000 €, je crois, tous les mois. Oui, c'est ça. Voilà. Bon. Voilà, et donc, oui, moi, je comprends pas. Alors, par contre, les taxes sont toujours là, hein. C'est-à-dire que qui en bénéficie de ce prix haut de l'essence? Ben, entre autres, l'État, hein, qui nous avait expliqué qu'il nous faisait une remise de 30 centimes, je sais pas si vous vous souvenez à un moment, mais quand on faisait un rapide calcul avec les taxes à 60% sur le prix de l'essence, hein, les prix de l'essence qui passent de 1,50 € à 2 €, en fait, ça fait que les 30 centimes, l'État se les met largement dans la poche. Là, à l'heure actuelle, c'est toujours à 2 €, mais par contre, on n'a plus les 30 centimes de remise à la pompe. Pour l'État, il est certain que c'est une manne, hein, puisqu'il y a les taxes sur le prix. Hein, donc, plus l'essence est chère, plus l'État engrange. Ouais. Alors, scandale pour Marlène Schiappa, qui apparemment, elle avait fait abonder sur un fonds qui s'appelle Marianne, fonds Marianne, et ce fonds était un fonds, un appel à collecte pour venir aider tout ce qui pouvait être initiative républicaine après l'assassinat de Samuel Paty. Donc, il y avait même la volonté de créer donc plein d'associations, etc., qui auraient des messages positifs pour réenchanter les valeurs de la République. Voilà, c'était très très bien, tout ça. Elle est venue nous expliquer ça en long, en large et en travers. Et donc, petit à petit, elle a récolté 2 millions d'argent, quoi, même un petit peu plus, hein. Et puis, il y a un préfet. Alors, donc, le préfet s'appelle Christian Gravel et qui est là, ce préfet, pour coordonner le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.
donc excusez du peu. Et donc tous ces gens-là s'activent pour essayer de faire que on arrive à empêcher les radicaux islamistes et dans tout genre de venir faire des attentats, etc. Évidemment, c'est ça le truc hein, qui est au fond. Et voilà. Et bon, donc ils ont créé ça, ils ont choisi 17 associations pour répartir les 2 millions, plus de 2 millions qu'ils ont réussi à récolter, pour permettre à plein d'initiatives de se mettre en place, entre autres créer des vidéos, etc., avec plein de gens qui devaient travailler dessus. Et entre autres, il y a Mohamed Sifaoui, hein, qui est un des responsables d'une association qui s'appelle l'Union des sociétés d'éducation physique et de la préparation au service militaire, qui ont reçu 355 000 euros, hein, quand même, dans une part intéressante de ce fonds Marianne, avec un monsieur qui s'appelle Cyril Karunagaran, excusez-moi si je prononce mal, et ben donc avec Mohamed Sifaoui, ils ont réussi à avoir ces 355 000 euros, et pour, théoriquement, faire plein de vidéos pour agir contre les radicaux. Et donc, 13 vidéos ont été faites. Elles ont été vues chacune, tenez-vous bien, 50 fois. C'est-à-dire que là, on sent que l'efficacité de l'action, hein, et voilà. Et il y a eu plein de pognons qui sont passés dans les poches de Cyril Karunagaran et Mohamed Sifaoui. Voilà. Et donc, ces sous sont tombés dans les bonnes poches pour empêcher les radicaux d'agir. Il les a sifflés, oui. Il les a sifflés. Il les a sifflés, ah oui. Et donc, voilà, leur contenu multimédia amène ce message positif pour réenchanter les valeurs de la République. Je pense que Marlène Schiappa est quand même un peu mal parce qu'elle ne peut absolument pas, à l'heure actuelle, expliquer où sont passés les sous en question. C'est-à-dire qu'il y a plein de sous qui sont partis de travers. Alors, elle a agité un paravent et elle a essayé de botter en touche. Mais Alain, tu nous as dit que... Elle a posé carrément en première page de Playboy, hein, dans une pose suggestive. Hein, disons, c'est pas, moi, je pense que ce n'est pas son rôle. Hein, elle est, en ce moment, ce gouvernement, disons... a mis un bazar, disons, au niveau de l'État énorme, hein, sur des sujets quand même hyper importants qui touchent, disons, les gens en les faisant travailler 2 années de plus. Et puis on a alors un Macron qui est toujours occupé par autre chose, hein, qui est l'homme de la fuite, hein, et puis l'homme de la fuite, et puis des gens comme Schiappa ou comme Dussopt qui nous parlent de son homosexualité. Moi j'ai rien du tout, alors ni contre les homosexuels, ni contre les hétéros, ni contre les bisexuels, qu'importe la sexualité, mais c'est pas le sujet, quoi. Hein, c'est pas le sujet. Et Schiappa qui pose, dans un truc super érotique en première page de Playboy, moi je pense c'est n'importe quoi. C'est pour qu'on parle de ceci sur des radios ou sur des télés comme BFM TV. On va parler de ça. Et puis en fait, les vrais sujets, la violence, les manifestations, la retraite, de nous recadrer, donc revenons au vrai sujet. Alors les vrais sujets aujourd'hui, c'est les méga-bassines et les violences. Alors méga-bassines, Pierre-Yves, tu nous avais fait un petit peu un état des lieux déjà il y a quelque temps. Est-ce que tu peux nous rafraîchir un tout petit peu le truc? Les méga-bassines, est-ce que c'est pertinent par rapport à une agriculture d'avenir? Alors déjà, faut savoir que l'agriculture a besoin d'eau. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse pour travailler la terre, pour cultiver, il faut avoir de l'eau. Mais la condition pour utiliser l'eau, c'est de protéger les écosystèmes. C'est-à-dire qu'il est inconcevable d'utiliser de l'eau en prenant le risque de mettre en danger les écosystèmes. Et je pense qu'avec ces 60 dernières années que nous venons de passer, avec énormément de destruction de la biodiversité, on est vraiment dans l'urgence, et on se doit, en tout cas, pour les générations futures, de faire très très attention à ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un consensus scientifique. Sur une radio concurrente de Fréquence 7, cet après-midi, sur France Culture, il y avait une émission qui s'appelle La Science CQFD, où il y avait des scientifiques qui parlaient justement des méga-bassines. Et il y a un vrai consensus scientifique qui dit que ce n'est pas une solution. En tout cas, ce n'est pas une solution de long terme. Il y a eu des expériences qui ont été faites dans d'autres pays. Et on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, ça finit par assécher les nappes phréatiques. Donc ça ne peut pas fonctionner sur du très long terme.
Et on va investir beaucoup d'argent parce qu'une méga bassine, c'est au minimum 1 million d'euros. Ça va avoir un coût très cher pour les faire fonctionner. Et on n'ira pas avec les méga bassines, il ne faut pas se leurrer, on n'ira pas vers l'agroécologie. Oui, mais surtout, voilà, c'est ça. Quel est le projet derrière? Ben, en fait, le projet aujourd'hui, c'est toujours de continuer. Alors, on est toujours dans cette idée de l'aliment. Enfin, nous, enfin, moi, je pense qu'il faut à un moment donné réfléchir à comment sortir l'alimentation des marchés. Tant qu'on est sur. On met l'alimentation dans les marchés, on est dans des histoires de concurrence, etc. Donc, forcément, on va toujours chercher à. Ça va être une guerre économique. Et pour que cette guerre économique fonctionne, on va avoir la guerre des ressources pour faire fonctionner cette guerre économique. Donc, il faut absolument sortir l'alimentation des marchés, que ce soit un droit pour tout le monde de s'alimenter. Alors, il y en a qui proposent, et moi je suis assez d'accord avec eux, la sécurité sociale de l'alimentation, qui pourrait être une bonne manière de sécuriser ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un peu la sécurité sociale de la santé, la même chose, mais sur l'alimentation. C'est-à-dire qu'on garantit d'une manière une alimentation de qualité pour tout le monde. Donc on sort de la concurrence, il n'y a plus de c'est moins cher là-bas. Non, l'alimentation, ça coûte tant. On sort du pouvoir d'achat? On sort du pouvoir d'achat, oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'alimentation doit absolument, à un moment donné, être accessible à tout le monde et une alimentation de qualité. Et tout le monde est nourri. Et tout le monde doit être nourri de qualité. De qualité. Avec une alimentation de qualité. Et en fait, ces méga-bassines, c'est une continuité dans l'industrialisation de l'agriculture qui va être de plus en plus industrialisée, qui va aller même jusqu'à la viande de culture. On va continuer à industrialiser. On arrose énormément de maïs, du maïs qui va être donné à des animaux qu'on va exporter, donc on va exporter notre eau. Tout le monde exporte son eau. Les Marocains exportent leur eau en faisant des légumes. Les Espagnols, qui ont plus d'eau, exportent encore leur eau en faisant des légumes. Donc on est dans un système qui n'est basé simplement sur des intérêts économiques et non écologiques. En plus, c'est pas adapté le maïs théoriquement au départ chez nous. C'était non, pas mais alors le maïs, ça fait énormément de volume. En plus, le problème du maïs, c'est qu'il est très pauvre en protéines. Donc il faut absolument complémenter avec du soja. Donc il faut faire venir du soja d'Amérique du Sud. Donc encore des OGM. Bah, il y a des chances, oui, puisque le soja en Amérique, les OGM ne sont pas interdits en Amérique du Sud. Donc, en fait, on est toujours dans cette situation dont on n'arrive pas à se dépêtrer, qui est la mise en concurrence des agriculteurs du monde entier. Alors que d'autres solutions pourraient être envisagées. Là, il y a la transition vers une agriculture écologique, enfin l'agroécologie, qui en effet, on remet des. C'est la souveraineté alimentaire, c'est la règle de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que c'est de mettre. Chacun a réussi à. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solidarité, que chacun se débrouille. Non, ça veut dire réussir à produire avec ses ressources le plus localement possible. Oui, alors que le maïs, c'est essentiellement pour l'exportation. Bah, tout aujourd'hui, c'est pour l'exportation. La culture vivrière n'existe pas. Je veux dire, aujourd'hui, tout est pour l'exportation. Tout est exporté, puisqu'en fait, on met les choses en concurrence les uns aux autres. Donc, ça revient toujours moins cher, soit c'est à cause de la main-d'œuvre, soit c'est à cause parce qu'il y a de l'eau, parce que. Donc, en effet, celui qui a une méga bassine, il sera le roi du pétrole. Il pourra arroser ses terres. Alors, ça lui reviendra cher. Oui. Mais enfin, Mais il pourra. Va, il ça pourra... va durer qu'un temps. Hein? Ça va durer qu'un temps. Et ça va durer qu'un temps. Faut pas se leurrer. Et d'autre part, on vole quelque part, on vole cette ressource de l'eau. Ah ben après, là, on est dans la guerre de la privatisation de l'eau, c'est-à-dire que l'eau doit absolument rester évidemment un commun, et ça, c'est impératif. Hein. Oui, mais enfin, déjà, quand on prend toutes les eaux minérales qu'on trouve en bouteille, c'est déjà ça, hein. Oui. Ils achètent tout un territoire autour de leur source, et voilà, ils gèrent leur eau et ils pompent dans les nappes de plus en plus bas, quitte à assécher les sources qui étaient naturelles. C'est, ouais, on pompe, il faut faire du fric, hein. Alors tu disais qu'il faut pomper avec des tuyaux absolument énormes pendant. En général, c'est des tuyaux, ils mettent deux tuyaux de 100 dans chaque bassine et ils pompent pendant 2 mois non-stop pour remplir une bassine de 10 hectares. Donc ils pompent dans la nappe phréatique pendant l'hiver. Jusqu'à des seuils qui n'étaient pas atteints avant. Bah pour le moment, au début, ça va. Sur les premières années, ça va aller, mais ça va s'empirer. Surtout que cette année, en plus, la préfète des Deux-Sèvres a été obligée d'interdire de pomper pendant l'hiver à cause d'une sécheresse d'hiver. Ouais. Donc, on ne peut même pas remplir les nappes au final. Enfin, même pas remplir les bassines, pardon, au final. Donc, je veux dire, non, c'est pas du tout une solution. Alors, c'est pour celui qui. On peut comprendre, hein, l'agriculteur qui rentre dans une. Je ne sais pas si c'est une ASA ou une coopérative qui gère une méga bassine, il va avoir de l'eau. Mais sur du très long terme, ce n'est pas des solutions qui seront durables. Oui, sans compter que 70% est payé par le gouvernement. Alors, par l'État. C'est pour ça qu'en fait, on trouve assez. Bon, moi, je trouve ça assez fou qu'au lieu d'engager la
transition agroécologique qui n'a pas du tout été engagée, on se lance dans des projets comme ça. De toute façon, on a l'impression qu'il n'y a pas de vue à long terme. Ah bah sur ce coup-là, non. Et puis alors, encore une fois, on prend le risque de détruire les écosystèmes. Et ça, c'est quelque chose qui sera irréversible. Et donc, les jeunes ont réagi par rapport à ça, à Sainte-Soline en tout cas, ça a été visible. Ils veulent pas qu'on ampute leur avenir, quoi, en fait. Bah, à Sainte-Soline, ce qui s'est passé, bon, il y a plusieurs trucs. Bon, il y a eu quand même un piège qui a été tendu pour le gouvernement. Il faut rappeler que la bassine était, enfin, c'était pas une bassine, hein, c'était un trou. Hein, il y avait pas de bâche, il y avait rien. Ouais. Donc c'était symbole. Donc en fait, ils ont défendu un symbole. Donc il y avait 3000, alors je sais pas si c'était des CRS ou des gendarmes, mais il y avait 3000 policiers. Et en effet, dans les manifestants, il y a des manifestants qui sont assez virulents, bah parce qu'en fait, oui, comme tu dis, quoi, ils sont inquiets pour leur avenir. Hein. Et ils ont épuisé tous les recours. Ouais. C'est-à-dire, une fois qu'on a épuisé tous les recours et qu'on n'est pas écouté, on ne sait plus ce qui reste. On a vu avec le 49-3. Hein, exactement. Voilà, on est face à un État quand même qui n'écoute rien, hein, qui n'entend plus rien. Oui, et puis même qui est, on peut dire, assez autoritaire. Et ouais. Bah forcément, ça crée une insurrection. Et pour régler cette insurrection, ils vont sur une répression. Et donc après, ça s'amplifie. Mais bon, clairement, moi, ce que je crains, c'est que ça devienne de plus en plus... parce que vraiment, c'est des jeunes, hein, qui sont énervés comme ça, en tout cas sur Sainte-Soline. Et je crains que... Mais comme tu as dit, hein, ils ont fait les marches pour le climat. Ils ont essayé vraiment comme ils ont pu... Mais sur Sainte-Soline, donc il y a un trou. S'ils foutent pas de flics, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, c'était un symbole. Donc ouais. En fait, symboliquement, bah, au pire, il y aurait eu quelques petits casseurs qui auraient cassé. Il y avait des tuyaux qui étaient mis, ouais. même s'il y avait eu pour 100 000 euros de tuyaux, mais ça a coûté quand même, l'intervention policière a coûté 5 millions d'euros. Ouais. Donc c'était quand même 50 fois moins cher avec s'il y avait eu personne, quoi. C'était un défi quand même, le gouvernement. C'était la fête de l'eau, en fait. C'était dans la commune d'à côté. Il y a eu des débats, il y a eu des conférences avec 600 personnes. Enfin, il y avait du monde, il y avait des gens qui venaient du monde entier. Qui venait témoigner justement de l'importance de maintenir l'eau comme un bien commun et surtout de la préserver, c'est-à-dire de faire très attention parce que là on touche véritablement, faut pas aggraver le problème, là on est dans une situation, je rappelle quand même, c'est pareil là sur internet, vous pouvez trouver, c'est sur West France qui a fait ça, il y a une petite explication qui dure 5-6 minutes sur les méga bassines. Donc West France, c'est pas un journal d'extrême gauche où il y a quand même il y a des pros méga bassines qui parlent et puis à la fin il y a un rapporteur du GIEC qui dit carrément que c'est pas une solution, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un consensus scientifique, c'est pas juste un fantasme de quelques personnes d'ultra gauche qui s'opposent au libéralisme. Alors, oui, pardon. Et ce qui est dommage, c'est important ce que tu dis sur ce qui s'est passé avant la manifestation pendant 3 jours. Où il y a eu des rencontres, des conférences, tout ça, ça passe complètement sous silence. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est là que les problèmes de fond ont été abordés. Et ces problèmes de fond, ils ne sont jamais abordés. Oui, mais en fait, ça les arrange bien au gouvernement qu'on mette le focus sur la violence. Et en plus, est-ce que la violence a commencé avec les jeunes qui sont arrivés? Moi, j'en suis pas persuadé du tout. Hein, mais bon, on a plein de témoignages. Hein, si vous allez sur Internet, il y a plein de témoignages. Mais moi, celui qui m'a le plus frappé, c'est celui de Benoît Biteau, qui est un paysan de la Confédération paysanne, qui est ingénieur agro, qui a été vice-président de la région Poitou-Charentes et qui est actuellement eurodéputé écologiste et qui est opposé et qui est dans la lutte contre les méga-bassines depuis le début. Et donc, il était présent en tant qu'élu. Il était présent à Sainte-Soline et il témoigne du fait, et il est formel là-dessus, que quand les manifestants sont arrivés, le cordon policier, alors je ne sais pas exactement si c'était la gendarmerie ou la police, bon, bref, le dispositif, enfin les policiers qui étaient là, ont attaqué directement, sans sommation et sans discrimination aucune. C'est-à-dire que vraiment tout le monde a été visé.
Voilà. Alors David Duquesne qui a fait le film Un pays qui se tient sage après ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, hein, lui il dit que on a changé de braquet dans la mentalité, hein, puisque pour la brave M par exemple, puisque c'est il apparaît dans un film qui a été fait sur la brave M, donc un organe qui a été créé par Monsieur Lallemand, hein, préfet de Bordeaux avant d'être préfet de Paris, c'est à ce moment-là qu'il crée la brave M, où là il dit l'Allemand en question, que maintenant il ne faut plus faire une riposte au débordement des manifs, mais il faut passer à l'offensive, donc ça veut tout dire. Hein. Et David Duquesne dit les manifestants sont vus par ces gens-là comme des délinquants, les protestataires sont vus comme des criminels, les contestataires, il faut les arrêter. On n'est absolument plus dans... on a le droit de manifester, hein, pour certains, en tout cas, la manifestation devient quelque chose qu'il faut absolument empêcher. Et puis j'ajouterais qu'en fait, aujourd'hui, moi j'ai reçu ça, il y a 42 sites, alors sites, pas des sites internet, des lieux, des sites, des endroits, qui vont être sur haute surveillance, et dont un en Ardèche, Saint-Pierre-de-Colombier. Ouais, d'accord. Donc quand il y a quelque chose qui les embête, maintenant, de toute façon, Darmanin dit qu'il faut aller pas de ZAD nulle part. Hein. Donc, circuler, il n'y a rien à voir, pas une tête qui dépasse. Oui, Saint-Pierre-de-Colombier, il faut bien souligner que ce sont c'est des intégristes, hein, c'est des intégristes catholiques, mais bon, surtout des intégristes, hein, et des gens d'extrême droite, hein, donc des gens très réactionnaires. Hein, c'est pas le fait du hasard, moi, je crois. Hein, on est quand même dans un gouvernement qui se durcit, qui ne discute pas, qui reconnaît pas ni un manifestant, à peine un citoyen. Oui, c'est grave, on bascule. Tu avais des éléments d'analyse, hein, Malia, il me semble, par rapport à ça. Bah, en fait, on voit que le gouvernement, on commence à percevoir une stratégie qui est utilisée systématiquement. On l'a vu contre les Gilets jaunes, on la voit en ce moment dans la réforme des retraites, enfin dans les manifestations contre la réforme des retraites, on l'a vu à Sainte-Soline. Alors c'est un... C'est vraiment... vous me direz, hein, ce que vous en pensez, mais moi, je perçois ça. Donc, ils prennent des décisions sans concertation ou avec un semblant de concertation. Donc, ça crée une protestation qui est légitime quand on est un citoyen, un syndicat, un membre d'une association, un scientifique, voilà. Et là, ça commence. On est devant le fait accompli, quoi. On est devant le fait accompli, on proteste, et là, ça commence. Le mécanisme se met en route, donc il y a de la décrédibilisation des gens, il y a une criminalisation, il y a de l'intimidation, on arrête les gens pour rien, on les met en garde à vue, etc. On fait appel à la violence, c'est ce qu'on a vu à Sainte-Soline. On fait porter la responsabilité sur des individus. Et on exempte le système de toute responsabilité alors qu'on a là face à nous un système qui est organisé. Hein. Et ensuite, l'autre pendant de la stratégie, c'est de faire diversion, de faire semblant ou de faire semblant d'entendre les récriminations et de passer un vernis de démocratie comme le grand débat, la convention citoyenne, etc. Voilà. Et donc, moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'on est encore vraiment dans une démocratie ? Est-ce qu'on est en train de basculer ? Où est-ce qu'on en est exactement ? Voilà, je n'ose pas poser de mots. Avant le quiz de Denis qui va clore notre émission, est-ce que tu as un dernier truc à dire, Pierre-Yves ? Ben, c'est par rapport à ce que vient de dire Amélie, ouais, la démocratie a ses limites, hein, et ça fait longtemps qu'on dit que la démocratie doit être le plus participative possible, mais là, on est vraiment, on l'effleure, c'est-à-dire qu'on est dans une démocratie qui est de plus en plus autoritaire, mais par contre c'est un sacré marche-pied pour l'extrême droite. Tout à fait. Alors, Denis, ton quiz. Ah, quelque chose de plus léger. Un peu plus léger, ça fera du bien. Donc, mon quiz. 1. J'ai toujours été un allié de l'homme. 2. Je suis présent sous différentes formes dans toutes les maisons. 3. J'ai été utilisé dans le passé, entre autres, dans les armes de guerre ou de chasse. 4. On parle de moi dans les termes de précieux, rare, exotique. 5.
Le Pernambouc est une de mes nombreuses variétés. Qui suis-je ? Le comment tu as dit, redis le mot. Alors. Pernambouc. Ah, d'accord. Bon. Allez, au dictionnaire. Oui, au dictionnaire. Allons chercher ça. Et là, on trouve peut-être la réponse. Voilà, c'est sûr. Hein, si on va trouver le mot en question. Bon, voilà. On perd pas le fait que on va s'en sortir, on va y arriver. Hein, on va arriver contre cette crise climatique, on va arriver contre ces violences, on va arriver à s'unir, à pas se laisser faire. Il faut espérer. Ben oui. On lâche rien ? Non, on lâche pas. On ne lâche rien. Ouais. Allez, ciao. Au revoir.